cache-cache avec le poisson. Le corps du poisson est recouvert d'écailles. Son squelette est composé d'arêtes. Voici quelques poissons de mer que tu peux voir chez le poissonnier. L'arrée, la roussette, la dorade rose, le maquereau, la sardine, le merlan. Voilà un banc de poisson, hop, qui fuit devant la murène. On est toujours dans la mer là. Ah. Quelle drôle de méthode! Le pseudo-trophéus met ses petits dans sa bouche pour les protéger. La femelle du discus est une vraie station-service. Ses petits viennent se nourrir sur ses flancs. Quand la plie joue à cache-cache, pour se camoufler, elle s'enfonce dans le sable. Elle peut aussi faire apparaître des taches de couleur sur sa peau pour mieux se confondre avec le fond. Les poissons d'eau douce vivent dans les fleuves, les rivières, les lacs ou les étangs. Donc là, on n'est plus dans la mer. Le poisson-chat, la tanche, le brochet, la truite, la blette, le vairon, le chevesne. Pour pêcher le gardon, il faut un bouchon. Un asticot sert d'appât. Encore un peu de patience. Un fil de nylon, des plombs et un hameçon. L'hameçon. Le bouchon s'enfonce dans l'eau quand le gardon mord à l'hameçon. Pour sortir le poisson de l'eau, il suffit de tirer sur le fil. Pour l'ours, voilà une occasion de pêcher son repas. C'est quand les saumons remontent le courant en sautant hors de l'eau. Alors, là on est dans un aquarium avec le danio zèbre, le gourami, le tétranéon, c'est les petits poissons là, la barbue, les guppies. Revoilà le discus qu'on voyait tout à l'heure, qui donnait à manger à ses bébés sur ses côtés. Le silure léopard. Donc là, c'est un aquarium d'eau douce. Ça veut dire que tu vas utiliser de l'eau du robinet, en gros. Alors, on change à nouveau. Ces poissons ont de drôles de formes. L'hippocampe est aussi appelé cheval de mer. Le diodon ou poisson porc-épic. Les poissons clowns vivent dans les anémones de mer. Donc de drôles de formes et de drôles de couleurs. Le chétodon ou kétodon ou poisson papillon. Le poisson vache a deux cornes. L'arbalétrier ressemble à un pot rouge. Le scalaire. Si tu aimes vraiment les poissons, tu peux prendre soin d'un poisson rouge chez toi. Chaque jour, il faut lui donner un peu de nourriture et chaque semaine, changer l'eau de son aquarium. Alors, moi je dirais, si tu aimes vraiment les poissons, tu ne prendras pas un poisson rouge et tu prendras un aquarium mieux adapté aux poissons que tu auras choisi, plus grand, avec un système de filtration pour nettoyer l'eau. Bref, si tu veux des petits poissons, il faut quand même un petit peu se renseigner et essayer d'adapter au maximum son aquarium pour qu'il lui convienne et qu'il puisse être heureux dans son aquarium. Voilà, voilà.
Le poisson le plus amusant ne se rencontre qu'un jour par an. C'est le poisson d'avril.